Mardi matin, 10h30, un autobus scolaire effectue un dépassement illégal sur une ligne continue et revient dans sa voie juste avant de percuter un camion Ben. La scène est troublante. Elle a été captée par la caméra de bord du camion d'Alan Vermette. J'ai comme lâché la pédale parce que moi, je voyais pas d'issue pour elle, soit qu'elle rentrait face à face avec le camion, le 12 roues, soit qu'elle poussait dans le fossé. Fait que j'ai lâché la pédale, je l'ai laissé passer, puis je pense qu'il était juste le bon timing. Je crois qu'il y aurait eu du ravage sur la route. L'événement est survenu sur la route 104 à Lac-Brome, tout près de la jonction avec la route 215. On est sur place où ça s'est passé, la scène hier, ça circule très vite les véhicules, c'est une route maximum 90 km/h et M. Vermette me disait que lui, c'est à peu près à ça qu'il roulait 90 quand l'autobus qui roulait encore plus vite l'a dépassé. Et tabarnan, OK. Comment tu trouves ça? Écoute, c'est l'enfer. T'es responsable. Ça aurait pu être quelque chose de grave, mal sérieusement. Il a été chanceux que ça passe, là. Ça aurait pu être grave, hein? Ça aurait pu, ouais, non, ça aurait été une catastrophe, là. En cours de journée, mercredi, on a appris qu'il n'y avait pas d'enfants à bord au moment de la manœuvre, mais ça préoccupe quand même le centre de service scolaire responsable du circuit. C'est quand même une manœuvre qu'on a jugée plutôt téméraire et troublante. Le transporteur, Autobus Yamaska, affirme avoir suspendu la chauffeuse le temps de l'enquête. Tout de suite, là, on n'a pas eu à discuter longtemps. Là, eux le prennent en charge, ils le prennent très au sérieux. Si pour nous, on n'était pas rassurés, ben, on aurait pris d'autres mesures à ce moment-là, donc on ne fera pas de compromis sur la sécurité des enfants, bien sûr. Donc, c'est pas une façon de conduire un autobus. Là, avec des enfants ou sans enfants, je crois pas que ça soit une façon de conduire un autobus en partant. Avec des gros véhicules, je pense qu'on devrait être du soit plus prudent. Puis, c'est quand même des gros véhicules, c'est pesant. Moi, mon camion à vide, il est 13 000 livres. À plein, je suis 31 000 livres. Ça break pas sur un 30 sous, ça, là. Et de son côté, la Sûreté du Québec confirme avoir reçu un signalement. Un constat d'infraction pourrait être émis à la chauffeuse à partir de la vidéo et des témoins. Jasmin Dumas, TVA Nouvelles, Lac-Brome.